Bonanjo, centre administratif de Douala, depuis samedi dernier, les services publics sont fermés, les rues sont désertes, l'activité des exploitants du secteur de transport urbain, pas taxi et mototaxi, tourne au ralenti. Vraiment, les clients sont rares, les clients sont rares, vraiment. Ils n'ont pas travaillé. Mais maintenant, c'est là. Le bailleur va dire quoi? Le bailleur ne peut même pas comprendre que c'est férié. Tu ne peux pas lui dire que c'était férié, il va comprendre, il ne peut même pas comprendre. Dans les marchés, les commerçants et des brouillards vivent sur le bonheur de la chance. Nous sommes ce qu'on dit dans le jargon de notre commerce des tacleurs. Donc généralement, l'achalandage n'est que des adresses. Et puis très souvent, quand il y a une commande en vue, on peut courir chez le fournisseur, s'approvisionner et livrer le client. Ce ne sera pas le cas dans la succession des fériés. Donc vous vous imaginez si un centrafricain arrivait ici samedi et veut 1000 quantités d'un bien donné et que je sais que je devais courir à l'entreprise prendre et venir le livrer, il sera obligé d'attendre et peut-être ne pas attendre et là je vais perdre ce chiffre d'affaires-là. En effet, un long week-end est observé au Cameroun, véritablement qu'à gagner. La durée légale du travail au Cameroun est de 173 un tiers, c'est-à-dire 173 20 minutes. Ça veut dire qu'on peut facilement convertir ça en salaire. Donc, on vous donne 600 000 francs, vous devez diviser ça par 173 20 minutes. Et vous verrez donc votre travail horaire. Si vous ne travaillez donc pas pendant 1, 2, 3, 4, vous voyez très bien le manque à gagner pour celui qui vous paye. Parce qu'à la fin, vous n'êtes pas payé à la tâche. Les jours de fête et jours déclarés fériés sont de trop pour un pays en voie de développement. Le Cameroun est l'un des rares pays en Afrique où le travail n'est pas assez fait dans l'administration publique. Et décréter encore des jours fériés, c'est compromettre notre productivité, c'est compromettre notre efficacité. Vous savez que le port de Douala est un port qui dessert pratiquement trois pays dans la sous-région CEMAC. Le lundi n'était pas férié dans tous ces pays, mais aujourd'hui ces pays vont subir cette conséquence de férié chômé payé. Ce sont des Camerounais qui parlent. Pour eux, la multitude des jours déclarés fériés plombe l'économie.